sommes Pax Augusta, nous sommes une association loi 1901. Donc nous existons aujourd'hui depuis près de 17 ans. Et notre vocation, c'est de reconstituer l'Antiquité de la manière la plus crédible possible pour montrer au public la façon dont vivaient nos ancêtres. Veniré, pergeré, Dex, 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 Sin, Dex, 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 Dex. Ouais, donc on n'est pas là pour expliquer simplement comment marche l'armée romaine, on explique aussi la vie du citoyen romain, donc au niveau de l'alimentation, de l'habitation, au niveau de la cuisine, de la manière dont il citoyait, etc. On a tout ce qu'il faut pour ce. Il n'y a pas que le côté armée, il y a aussi le côté vie citoyenne du romain. Très intéressant, très bien expliqué aussi. Historiquement intéressant. Alors, c'est très très bien parce qu'en fait, on est sur le site avec une reconstitution. Et pour les enfants, c'est très bien parce que ça leur permet de s'intéresser à l'histoire avec une manière ludique. Donc, c'est très 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 bien. Très bonne initiative. La mule, par contre, marche. Le stylet, comme sur la Nintendo DS, on va la graver dans la cire. Les textes à Rome parlent de, des salaisons gauloises qui viennent directement de la Rome. C'est un plaisir de, du coup, de pouvoir se costumer et puis pouvoir du coup, un peu témoigner de ce qui se faisait à l'époque. En fait, les Romains cuisinent beaucoup avec des épices, avec des herbes. Ensuite, ils aiment bien les produits exotiques. Donc, ils font venir des choses d'Afrique du Nord, d'Asie, par exemple. Ensuite, bah, ils n'ont pas les mêmes aliments qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de courgettes, toutes ces choses-là. Donc ils ont des choses beaucoup plus simples finalement, beaucoup plus à base de céréales que de fruits, enfin, que de légumes. Du coup, pour sucrer, comme ils n'ont pas de sucre, ils utilisent du miel. Donc il y a énormément d'aliments à base de miel, un petit peu comme dans les pays du Maghreb en fait, c'est un petit peu les mêmes recettes. À partir d'argile, donc c'est de la terre argileuse que vous avez utilisée, c'est pas de la pâte à modeler. On fait une petite boulette comme ça. C'est un emprunt. Ouais. Trop bien. Mais c'est un mangal. Préciser que des jeunes. Oui.